La décrue du Gardon s'amorce assez rapidement, ce qui est un point favorable. On continue à travailler donc là avec les drones du Gard, des collègues des Bouches-du-Rhône, les équipes de sauvetage à nos vives. On a des équipes cynotechniques qu'on va essayer d'engager également avec des chiens. Et on est renforcé par la gendarmerie également qui nous aide avec leurs drones. Donc voilà, on met toutes les forces et les moyens à disposition pour essayer de retrouver cette famille.